Bonjour et bienvenue dans notre magazine Information. Nous recevons aujourd'hui Michel Foguin, qui est docteur en linguistique et civilisation espagnole et directeur de la filière LEA, donc langue étrangère appliquée. Bonjour Michel. Bonjour Guillaume. Alors pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste ce parcours de LEA Disons que le parcours LEA est conçu pour les futurs étudiants qui se destinent à une carrière internationale. Euh, cette filière est destinée principalement donc, pour euh, ceux qui ont un amour de, de la langue et qui aimeraient découvrir euh, euh, des, des nouvelles horizons euh, à l'étranger. Travailler dans le monde de l'entreprise, notamment le commerce, euh, l'export-import, le marketing, le tourisme. Donc, euh, mais tout en ayant euh, comme outil principal le travail, la maîtrise des langues. Alors la différence, Michel, entre le, le, le LCE et le, et le LEA, c'est qu'en LEA, normalement, les deux langues hein, sont sur un pied d'égalité. C'est-à-dire qu'on travaille autant, par exemple, anglais que l'espagnol, si on a choisi espagnol en seconde langue. Tout à fait. Il euh, y a une, une égalité en termes de, de quota d'heures en anglais. Et en espagnol, ou en anglais et euh, allemand. Donc euh, l'idée est de former des étudiants euh, vraiment bilingues. Après, il y a une compétence aussi trilingue parce que euh, les, les langues dites rares, comme par exemple le néerlandais, le chinois, le russe, euh, l'italien, ne sont pas en reste. Hein. Ils ont euh, par semaine, sur l'année, disons environ euh, voilà 50 heures de cours, ce qui n'est pas négligeable. Hein. Euh, et euh, l'anglais, toutes les matières sont faites en anglais. Nous avons des compétences euh, spécifiques en anglais, nous avons le marketing, l'économie, euh, la bureautique, les cours sont en anglais et euh, des cours aussi en espagnol qui va concerner euh, l'actualité, la civilisation, euh, euh, enfin la grammaire, la maîtrise de la pratique de la langue orale écrite, etc aussi bien en allemand, en espagnol le but est à terme que au bout de cette formation les étudiants puissent euh, maîtriser euh, les trois langues les trois langues qui, va, qui vont donc être le français bien évidemment l'anglais euh, l'espagnol ou l'allemand. Et le reste des langues ne sera que de, 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 de bonus à faire valoir dans le, dans le CV. – D'accord, donc une formation, on a bien compris, qui est orientée marketing, euh, finalement la négociation, etc. Ben donc le travail plus vers le commercial. Oui. Euh, avec un stage obligatoire euh, dans, cette, dans cette filière ?– Oui, disons qu'il y a ce que j'appelle le socle de compétences professionnelles. C'est-à-dire qu'à euh, côté des matières dites euh, linguistiques, où il y aura la traduction. Donc, on a déjà parlé à hein, la traduction, la version, le thème, la pratique de la langue écrite et orale. Il y a un autre socle qui est défini comme le socle de compétences de matière dite appliquée. D où là, on aura le tourisme, la bureautique, le droit, le commerce international, la négociation, le business et euh, le droit des affaires. Et euh, à côté, donc, il y a une obligation pour ceux qui intègrent la formation, la, la formation LEA, de pouvoir réaliser des stages tout au long du parcours. Bien évidemment, ce sont des stages conventionnés. Donc, euh, l'étudiant, déjà en première année, euh, peut effectuer des stages. Ces stages-là sont dits volontaires. En deuxième année, de même. En revanche, la licence elle-même est sanctionnée par euh, un stage de minimum deux mois obligatoire. Mais il faut comprendre quand même que euh, la découverte de l'ailleurs, de l'étranger, des pays partenaires, nous sommes en, en partenariat avec plus de 80 universités, et donc nous avons des étudiants un peu partout, on en a en Australie, on en a au Japon, on en a en Chine, il y en a qui reviennent. Et donc c'est la maîtrise donc, de ces langues dans des pays étrangers. Stage. Compétences appliquées, tourisme, marketing, négociation et euh, le monde du tourisme, de la communication, euh, mais tourner toujours vers le monde de l'entreprise. Le D'accord. Après cette formation, quelles sont les orientations possibles, à la fois en termes éventuellement de master, mais aussi peut-être de débouchés professionnels Alors, euh, j'ai l'habitude de dire aux étudiants que euh, pour ceux qui euh, hésitent entre la maîtrise de la langue et travailler dans le monde dans l'événementiel, dans la communication, dans le tourisme, LEA c'est vraiment leur parcours. Alors donc en termes de débouchés, après la licence bien évidemment, la plupart de nos étudiants, je dirais 98% d'entre eux restent chez nous pour faire un master à IT, qui est lui-même fléché sur trois parcours. Il y a le marketing et négociation, il y a le commerce international et il y a le tourisme d'affaires et de luxe il y a ceux qui donc suivent ce canevas qui est mm -hmm. tracé vraiment pour eux il y a ceux qui font également le journalisme mm -hmm. euh, d'ailleurs euh, vous en avez ici qui euh, qui font des stages etc après il y a ceux qui intègrent aussi des écoles de commerce qui qui intègrent des, des écoles de traduction mm -hmm. qui intègrent aussi l'iae mm -hmm. donc euh, le panel en termes de, de poursuite d'études est vraiment large c'est vraiment large quel est le taux de réussite dans la licence que, en fin de troisième année ah, les... on... Bon, en fin de troisième année, ici je suis à 100%. Parce que de la première à la troisième année, je peux avoir un étudiant qui disparaît entre la première, entre la deuxième et la troisième. Deux étudiants qui disparaissent entre la, la première et la deuxième sont ceux qui n'ont pas été bien orientés ou qui pensaient effectivement que euh, peut-être on n'aurait pas accès suffisamment de euh, l'enseignement sur les langues et que le poids des activités euh, appliquées. Okay. Un, sont un peu contraignants. Il faut quand même savoir qu'on forme des, 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 des étudiants à maîtriser, par exemple, euh, Internet, euh, devenir webmaster. Euh, mmh. C'est des choses assez contraignantes. Et ceux qui n'ont pas cette culture-là, de temps en temps, ils se réorientent. Donc je dirais que pour moi, sur les quatre dernières années, j'ai un taux de réussite de 100% en, en licence 3. D'accord. Merci beaucoup, merci Michel Feuguin, merci à l'équipe du Médialab Lab qui produit et réalise cette émission. Et on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro du magazine Information. Merci.